Oui, maman, c'est moi. Oui, salut, ça va? Ça va, et toi? En région parisienne, Stéphanie profite de chaque trajet en voiture pour échanger quelques mots avec sa chère maman. Et les grands-parents, ouais, ils sont bien partis? Ils sont bien partis, ils sont bien arrivés. Tout s'est bien passé, c'est cool. En fait, on s'appelle avec ma mère le matin et le soir. À 30 ans, Stéphanie travaille dans le BTP et passe jusqu'à 2 heures par jour au volant. Je m'ennuie dans ma voiture, ça c'est sûr. C'est une perte de temps. Hein. C'est pas... Moi, je trouve pas ça agréable d'être là dans une voiture et d'attendre qu'on arrive. Pour tuer le temps, son meilleur compagnon, c'est son téléphone. À chaque ralentissement, elle en profite pour envoyer un petit SMS et répondre à ses amis sur les réseaux sociaux. Ah bah voilà, une petite sortie pour ce soir. Sur l'autoroute, ces grandes lignes droites seraient l'occasion idéale de consulter ses mails. Je les check et je les range. Là, j'ai un mail super long, je suppose. Je peux pas attendre. Ça me stresse d'attendre d'être au bureau pour le lire. Autant de moments où son regard et son attention se détournent de la route. Je me dis que non, c'est dangereux, mais je le fais quand même. Le plus grave qui pourrait m'arriver, c'est d'écraser une personne à cause de ça. Un comportement irresponsable, mais terriblement banal. Près d'un Français sur deux utilise son téléphone en conduisant, et cela sans en mesurer les risques. Dans notre pays, ce fléau est impliqué dans un accident corporel sur 10. Cela représenterait plus de 6000 blessés et des centaines de morts par an. En Angleterre, ces images ont fait l'effet d'un électrochoc. Obnubilé par son téléphone, ce chauffeur de camion ne voit pas les voitures arrêtées devant lui. Bilan, 4 morts dont 3 enfants. Le conducteur a écopé de 10 ans de prison. La police a diffusé massivement les images de l'accident pour sensibiliser les automobilistes. En France aussi, les pouvoirs publics se sont emparés du problème en lançant il y a quelques mois une grande campagne de prévention. Malgré toutes ces alertes, les vieilles habitudes ont la vie dure. Il y a quelques jours, le gouvernement a décidé de durcir les sanctions. Alors, quelles sont les pratiques autorisées et celles interdites? Vous utilisez le téléphone en voiture ou pas? Jamais. Sans mauvaise foi, hein. Vous utilisez le téléphone ou pas? Mauvaise foi, oui, tout le temps. Jérôme est formateur spécialisé en sécurité routière. D'accord. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous proposer donc une situation d'urgence à gérer. Mais l'objectif, ça va être de démontrer qu'avec l'utilisation du téléphone portable, bah, ça va forcément compliquer la tâche en fin de compte. Hein. Stéphanie, la jeune femme accro au portable, est conviée à ce stage avec plusieurs collègues de son entreprise. Alors, je vous laisse vous installer dans les voitures. Sur ce circuit de Seine-et-Marne, ils vont mesurer l'impact du téléphone sur leur conduite. Alors, je vais vous envoyer un petit SMS. On va simuler donc une situation de conduite. Alors, je vous ai prévenu, une situation de conduite un petit peu délicate. Moi, ce que je vous demande, c'est donc de lire mon SMS, bien sûr, et puis de me répondre. Portable à la main, ils doivent garder le contrôle de leur véhicule sur cette chaussée mouillée et donc extrêmement glissante. Je pensais que vous allez réussir l'exercice. On va voir. J'ai de l'expérience dans le SMS au volant, alors. Ah, c'est vrai. Ah bah justement. Ah bah c'est parfait, alors on va pouvoir confirmer ou pas. Bon, allez, c'est parti, on y va donc pour la première voiture. On s'élance. Ok. Donc là, je vous envoie un petit message. Dès le premier virage, c'est le tête-à-queue. C'est pas drôle, hein. Est-ce que le téléphone a été pénalisant là sur l'exercice ou pas du coup là? Ah oui, oui, oui. Ouais, complètement. Oui. Ouais. Complètement. Donc, j'ai lâché. D'accord. Ah, on a lâché carrément le téléphone portable. D'accord. J'ai lâché le téléphone. À seulement 20 km/h, aucun conducteur ne réussit l'exercice. S'il n'était pas sur circuit fermé, la situation n'aurait plus rien d'amusante.
Le SMS fait surtout quitter la route des yeux pendant plusieurs secondes. Quand on roule à 130 km/h, donc si on fait une petite conversion, c'est du 36 mètres par seconde. Si on quitte la route des yeux ne serait-ce que 3 secondes, on passe déjà plus de 100 mètres en fait, hein, sans regarder la route. Et pendant 100 mètres, il peut se passer des multitudes de choses en fin de compte. Lire un message au volant multiplie par 23 le risque d'accident. Stéphanie s'est fait une belle frayeur et promet de changer ses mauvaises habitudes. Sur la route, ces inattentions peuvent avoir des conséquences dramatiques. La vie de Frédéric a basculé il y a 3 ans sur cette départementale près de Saint-Tropez. Ça s'est passé... Je cherche parce que normalement, il y avait les traces, ça doit être sous le pin, là. On avance un peu plus. Ce jour-là, Frédéric est en moto. Sa femme est à l'arrière. Ils se rendent au restaurant. Mais en sens inverse, un véhicule se déporte et les percute. À 70 km/h, le choc frontal est d'une violence inouïe. Cette jeune fille a perdu le contrôle de son véhicule parce qu'elle était tellement... Elle avait apporté toute son attention sur son téléphone et elle ne regardait même plus la route. L'enquête de police révèle qu'au moment de l'accident, la conductrice était au téléphone depuis plus d'une heure. Il y a beaucoup de colère parce qu'il y a l'incompréhension. Il ne sait pas, vous avez un accident, à quel titre? Si vous êtes responsable de l'accident, vous provoquez une situation qui va vous faire déraper. Donc vous êtes acteur de votre propre accident. Là, nous, on ne demandait rien. Hein. C'est de l'injustice totale, en fait. Hein. C'est une injustice qui n'est pas réparable. Sa femme est victime d'une trentaine de fractures et perd une partie de la vue. Lui ne marchera plus jamais. Ce simple coup de fil a transformé le quotidien de Frédéric. Là, tu vas m'aider un peu. Et de sa femme Emma. Ne me lâche pas. Essaye. C'est foutu, là. Pour rester autonome, ils ont entièrement réaménagé leur maison. Plus de 200 000 euros d'équipement, en partie financés par les assurances. Le plus dur reste de faire le deuil de leur vie d'avant. On est allé en Égypte, on est allé en République dominicaine, on a fait le Thaïlande. On a bien profité, mais heureusement, parce que maintenant, on ne pourrait même plus y aller. Et se faire là, au triathlon d'Aix-en-Provence, j'aurais adoré le faire avec ça. Ça, c'est un truc, ça me manque énormément. J'aurais adoré faire un triathlon avec mon fils, quoi. Une famille brisée par un drame qui aurait pu être évité. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent « on peut faire vite un coup de téléphone, de toute façon, on va perdre quelques points ». C'est pas grave. C'est ce qui peut arriver autre qui est grave. Et au pire, on perd un peu de temps, mais qu'est-ce que c'est le temps? C'est ça. Moi, j'ai la notion de temps, elle m'importe maintenant. Donc, tout ça pour un coup de téléphone, un coup de téléphone qu'on peut éviter. La conductrice qui les a renversés n'a pas été blessée dans l'accident. Jugée pour blessure involontaire due à la perte de contrôle de son véhicule, elle a écopé d'un an de prison avec sursis. Pour éviter ces comportements à risque, les contrôles de police se multiplient. À Paris, le major Biotto traque les infractions d'automobilistes qui, bien souvent, ignorent la loi. On ne doit pas toucher son téléphone. Tout comme votre GPS, vous le manipulez avant le démarrage pour la destination où vous voulez aller. Et une fois qu'il est mis en route, vous n'avez plus qu'à suivre les indications qui sont dessus oralement, mais vous n'avez pas à intervenir sur l'appareil. En clair, il est tout bonnement interdit d'avoir son portable en main lorsque l'on conduit. Que ce soit pour envoyer un SMS, lire ses mails et tout le reste. Pour téléphoner, seul un système est autorisé, un Bluetooth intégré au véhicule. Cet automobiliste ne s'attend pas à être sanctionné. Donc vous avez le téléphone au volant. Vous étiez en train de regarder votre téléphone. Voilà. Ouais, mais un mail, c'est votre téléphone. Je reconnais. Voilà, donc vous avez téléphone, usage du téléphone au volant. Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de... Parce que je pensais aussi au GPS. Ok, il vous reste 5 points. D'accord. Ok, donc là, vous allez perdre 3 points, il vous en restera 2. Non, pas ça, non. Ah, je suis désolé. Une perte de points et une amende de 135 euros.
Je serai prudent, c'est promis. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Même lorsque les infractions ont lieu à l'arrêt au feu rouge... Il y en a une encore. On va la contrôler, mais on va la mettre un peu plus loin. Le major Biotto ne fait preuve d'aucune indulgence. Vous avancez encore un peu. Alors, on vous a expliqué la contravention ? Ouais, 135 euros, réduit à 90 si vous payez dans les délais, rapidement. Et sinon, 3 points sur votre permis de conduire. Là, vous m'enlevez 3 points ? J'ai mon permis. Vous avez plus de permis ? Vous avez combien de points ? L'infraction, elle est en entier. Il n'y a pas de demi-mesure. En 2 heures, le major et ses équipes verbalisent plus d'une vingtaine de personnes. Dans le département du Var. Ah oui, mais c'est là que se passe le truc, hein, d'accord, le choc. Ouais, d'accord. Frédéric se bat pour changer les mentalités. J'espère qu'ils vont être honnêtes. Avec Pascal, un pilote professionnel, ils interviennent régulièrement auprès de lycéens. Ils sensibilisent les jeunes avec une méthode choc. Ce mannequin va en faire les frais. Il va croiser la route d'une commerciale. Alors, j'ai rien contre les commerciaux, hein, ce sont des gens qui sont très très bien, mais ce sont souvent des gens qui travaillent avec quoi dans la voiture ? Le téléphone portable. Eh oui, le commercial va le voir au dernier moment. On retrouvera 2 mètres de traces de freinage avant l'impact. C'est ce qu'on va recréer maintenant devant vous. L'effet est immédiat. C'est choquant. Ça fait réfléchir, c'est... Ça fait peur, c'est choquant. C'est flippé. Oui, bonjour, je m'appelle Frédéric. Alors en fait, cette séquence, c'est pas du tout de la fiction. Hein. Donc j'ai la chance, je suis encore en vie. Mais à quel prix ? En fait, la personne aurait pu éviter cet accident parce qu'elle était au téléphone au volant. Et si vous avez un coup de téléphone à donner, vous arrêtez tout simplement, quoi. Enfin, moi, si la personne s'était arrêtée pour passer son coup de téléphone, et je serais debout avec vous et la vie serait quand même beaucoup plus simple pour moi. Merci. Pour tenter de réduire le nombre d'accidents, le gouvernement vient de durcir la loi. Dès 2019, les infractions commises téléphone à la main entraîneront la suspension ou le retrait du permis.